Bonjour les gens, c'est Sebondicoot pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'un colis de Player Kang. Allez, c'est parti! Voilà, donc on se retrouve pour le colis de Player Kang. Donc c'est des cadeaux. Hein. J'ai rien échangé, j'ai rien acheté là. Ils me les ont envoyés en cadeau. Donc on va voir ce qu'il y a. Bon, je sais à peu près ce qu'il y a, mais avec Player Kang, on ne sait jamais. C'est toujours des trucs en plus ou. Donc on va bien voir. Allez, on est parti. Hop. Voilà. J'espère que je vais bien arriver à l'ouvrir parce que en fait, je l'ouvre à l'envers parce que de l'autre côté il y a l'étiquette avec les adresses et j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Eh ben ouais, je m'en doutais, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, donc on va voir ça. Allez. Hop. Donc un grand merci à toi, hein, Player Kang, pour cet envoi gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu. Oh, PlayStation. Je sais même pas ce que c'est ça, comme boîtier. Je sais pas ce que c'est comme boîtier. Tu peux nous le dire, Player Kang? Je vois pas du tout. Alors il y a des notices dedans. Ah, c'est cool ça, il y a plein de jeux. Ah, franchement cool. Donc il y a le jeu Hugo. Alors je sais plus si je l'avais déjà ou si j'ai le boîtier ou je sais plus. Donc il y a un jeu Hugo sur PS1. Bah, du coup on va commencer par les cadeaux. Donc on a une notice de Crash Warped. Crash Bandicoot Warped. Une d'Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. On a le jeu Toy Story 2. Pareil sur PS1. Qui est un petit peu rayé, mais bon, il devrait passer normalement. Je sais pas si on va bien voir, mais. Un petit peu rayé là. Mais bon. On essaie de revoir ce qui passe. Ensuite, on a le jeu Time Crisis. Alors celui-là, c'est sûr, je l'ai. En platinium aussi, je l'ai sous blister en platinium et en normal, mais bon, c'est pas très grave. Merci quand même. Toy Story, je l'ai pas, ça c'est sûr. Un petit jeu de démo. Demo One. Suis en train d'essayer de voir si. Non. Si on voyait qu'est-ce qu'il y avait dessus, mais non. Comme démo, mais non. Celui-là par contre il est nickel. Il faudra l'essayer. On a le petit jeu Bust a Move 2. Arcade Edition. Alors ce jeu-là, je crois que je l'ai en complet. Je suis pas sûr, mais il me semble. Voilà. Bon après on a la. On a pu voir qu'on avait la notice. Non, pas la notice, la jaquette, je crois. Hop là, pardon. Hop là, ouais. Ouais, on a la jaquette de fond. Bust a Move 2.
Mais je crois que je l'ai complet, moi, le best move. Le crash, je l'ai aussi complet. Le Harry Potter, je sais plus. Bon, c'est pas très grave, moi je les récupère quand même. Je les garde. Voilà, ben, je te remercie bien pour ces cadeaux. J'ai mis l'envers. Ah non, c'est parce qu'il est là. Donc voilà. Moi, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc de DVD, ça. Je pense, parce qu'avec tout ce qu'il y a dedans. Ah, c'est pas mal quand même comme truc, comme boîtier. Voilà, donc merci pour ce cadeau. Ensuite, on a un petit jeu qui est ça. C'était prévu. C'est le Spirou sur Super NES. Donc moi je l'avais pas ce jeu-là. On est bien content. Merci à toi encore une fois, Pierre Kang. Ça je vais les garder parce que moi je m'en sers pour emballer des jeux, pour faire des envois. Voilà, un petit jeu là. Deux même. Ouais, deux jeux je crois, ou un jeu, je sais pas quoi. Ah non, c'est un DVD, oui. On en avait parlé de ça. Pierre Kang. Un DivX. Et l'autre, ben, je sais pas ce que c'est du coup. Il y en a deux de DivX apparemment. Emballé en plus. Donc on va regarder à ça. Donc il y a déjà une surprise, parce que normalement il devait y en avoir qu'un. Donc, celui-là, il était prévu. Le Mortal Kombat. DivX. Et enfin la surprise c'est eh ben un Mortal Kombat aussi. Donc les deux, bah nickel. Les deux Mortal Kombat. En cadeau. Donc merci à toi Player Kong. Sous blister en plus. Donc nickel. Franchement un grand merci. Vraiment content, ça va aller dans la collection, ça. Même si je fais pas si je fais pas encore les Blu-ray, hein, je les mettrai avec les DVD, c'est pas grave. Voilà, ensuite on a encore les petites surprises là. On a une comment on appelle ça? Une notice de Sega GT 2002 sur Xbox première du nom. Donc pareil, moi ça me fait plaisir parce que je les garde ces machines-là. J'en ai déjà et puis dès que j'ai les jeux et puis que j'ai pas la notice, ben, je les mets dedans. Alors ça c'est Tai le tigre de Tasmanie. Par contre, je sais pas sur quelle. Je sais pas sur quelle plateforme. Si tu peux me le dire, Pierre Kang. Je pense que c'est sur ah bah PS2. Je pense qu'il y a les manettes de PS2. Donc je pense que c'est sur PS2. Faut que je regarde si je l'ai. Il me semble que je l'ai le jeu, mais je sais pas si j'ai la jaquette. Il faudra que je regarde. Donc merci à toi. Ensuite, on a The Elder Scrolls 3 Morrowind. Sur Xbox première du nom. Voilà. Ce jeu-là, je l'ai pas, je crois pas. Parce que je vous rappelle que j'avais vendu pas mal de mes jeux, moi. Xbox première du nom. J'avais gardé que les meilleurs. Voilà. Ensuite, on a deux petites notices de PS1. Alors, on a là le True Pinball. Je sais pas si je l'ai pas ce jeu-là. Ou je devais l'acheter puis je l'ai pas acheté, je crois. Je sais plus. Il faut que je regarde. Faut que je regarde dans ma collection, voir si je l'ai ou pas. Donc merci à toi pour cette notice. Qui de toute façon me servira, c'est sûr, un jour. Même si c'est pas maintenant. Et enfin, la dernière. Metal of Honor. PlayStation
Platinium. Donc pareil, je sais même pas si je l'ai le jeu. Mais si je l'ai, il faut que je regarde s'il y a la notice dedans. Voilà, en très bon état en tout cas les notices, nickel. Donc voilà, c'est tout, c'est terminé pour le colis de Player Kong. Donc ben, un grand merci à toi, hein, Player Kong, pour ces petits cadeaux, tout ça. Ça fait toujours plaisir, j'aime bien moi, quand il y a des petites surprises. Pour ça, avec Player Kong, on s'en fait souvent des surprises. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai pas oublié le jeu concours. Il va arriver, le problème c'est que je sais pas encore quoi mettre dedans. Donc, va falloir que je regarde à ça. Et puis, bah, faire une vidéo pour faire le jeu concours des 400 abonnés. Donc, merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Merci à ceux qui sont abonnés aussi. Même si ça fait longtemps que vous êtes abonnés, merci à vous. Encore plus même. Bonne année aussi, j'avais oublié. Hein, désolé, excusez-moi, j'ai oublié sur la dernière vidéo là. Donc je souhaite une bonne année à tout le monde, hein. Abonnés comme visiteurs. Bah voilà, je pense que là j'ai rien oublié. Donc ben, en ce moment les jeux c'est calme, très calme. En même temps, je garde mon argent en ce moment pour les trucs de pêche. Hein. Donc là, je viens de racheter une barque, bon d'occasion, une barque avec une remorque. Donc, ça fait pas des millions non plus. Hein, mais je vous dis, j'ai acheté d'occasion, je n'ai pas acheté cher, j'ai acheté 150 euros. Mais bon, c'est 150 euros qui vont pas dans les jeux, quoi. Donc forcément, bon, je retravaille, hein. Donc j'ai un peu plus de sous qu'avant quand même, mais c'est pas non plus, pas non plus des millions, quoi. Donc voilà. Enfin, je retravaille, non, je retravaille pas, je vais rechercher un emploi pour l'instant. Je vais y avoir un travail bientôt, au mois de juillet, à plein temps, qui devrait durer longtemps. Mais pour l'instant, je recherche. Je recherche jusqu'au mois de juin, quoi. Enfin, juin, juillet. Voilà. Mais bon, j'ai quand même du chômage, hein, parce que comme j'ai travaillé, j'ai un peu de chômage. Donc je suis pas non plus dans la misère. Et puis ma femme a un salaire aussi. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai une maison à payer. Donc voilà. Vous savez tout. Donc si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification. Voilà, allez, à la prochaine, ben, sûrement pour le jeu concours. À moins qu'il y aurait une rentrée magique. On ne sait jamais. Mais non, je pense pas. Allez, au revoir.